On voit même le sommet du Mont Blanc là-bas. Là, le pic Morée qu'on va faire après, alors là c'est un peu plus raide. Le sommet des pistes de Tolorimemise, bien sûr qui ne fonctionne pas. Pour une fin décembre, c'est incroyable ce manque de neige. On n'a jamais vu ça. Et voilà la vue sur le lac Léman qui s'ouvre. Lausanne, le Jura bien sûr, n'est que verdure. Le lac de Neuchâtel là-bas au fond. Vevey, Montreux, les Préalpes, le Morezon, la Dordrecht, etc. Voilà, on va jusqu'au sommet, venez les chiens. C'est bien. Il y a un troupeau de chamois qui vient de passer ici. Je ne sais pas si on en verra de l'autre côté. Et voilà la plaine du Rhône. Voilà, ce sommet s'appelle la pointe de Pétagouze. Il y a encore un tout petit peu de givre, mais ces prochains jours, tout va fondre. Il y aura 0 degré à plus de 3000 mètres. Là, je crois qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chamois de ce côté. Inutile d'aller plus loin. Et puis ça va venir glisser. Voilà, stop les chiens. Stop. On voit même le lac de Bray là-bas. La visibilité est exceptionnelle. C'est bien riche. Devant les chiens. Allez les chiens. Devant les chiens. Allez. À droite, les chiens. À droite. Allez, les chiens, venez.
Et voilà, depuis là, c'est plus facile. Ouf. S'il n'y avait pas de neige, on ne pourrait pas monter ici parce que l'herbe est trop glissante. Et il n'y a pas de chemin là, il y a juste un petit sautier. Heureusement. Voilà, ça c'est la Dodoche, 2222 mètres. Voilà la station de Tolon-les-Mémises. Et l'arrêt qu'on va faire encore après, on va continuer jusqu'au col de Nova, là-bas dessous. Il reste toute cette arête. Voilà, direction Genève. Lausanne. Et Montreux. Voilà, on y va les chiens. Les chiens. Et voilà toute la traversée qu'on a faite.